deserve. Bless. Fuck a vacay after bed at work. I mean whatever it's worth, I give whatever I'm worth. For my niggas who gon' go to hell and back for me, I'ma give them heaven on earth for a hell of a check. Yeah, whichever come first. Blessings on blessings on blessings. Look at my life, man, that's lessons on lessons on lessons. I treat the beat like it's a reverend. I tell the truth like father, forgive me, these are all my... Ils ont très bien dansé et franchement c'était... Ils ont mis du show et enfin... C'était bien, c'était marrant. Dès qu'on est rentré sur scène, ça a fait bizarre, mais après c'est... On était tranquille et on a continué. C'est ça la magie du spectacle. C'est une nouvelle aventure et voilà quoi. Ça arrive pas tous les jours et pas à tout le monde. On est inscrit au service jeunesse au CAPJ à Saint-Ouen et donc ça va être le fruit de notre travail de toute l'année en fait. C'est toute ma vie, je sais pas, c'est respirer, c'est comme bouger partout, c'est vraiment magnifique, c'est marrant ça. Ce spectacle, c'est aussi un peu pour montrer aux gens, au-delà du spectacle, qu'il faut se mettre à la place des autres et inversement, et pour partager avec le public et voilà. Quoi. Moi, j'aime vraiment créer mon propre univers. Et là, l'idée des chaises, justement, c'est ça qui rend plus magique le spectacle. Et les lumières aussi, ce qui fait qu'on a cette impression-là. Mais en vérité, l'idée, elle vient vraiment des jeunes. L'idée, elle vient vraiment des jeunes parce que moi, je travaille que avec les jeunes. Ça veut dire leurs idées, c'est ça que je mets en place et je chorégraphie et je fais la mise en scène en fait. Ce que j'ai aimé, c'est de danser, de vivre ce que j'ai créé avec mes compagnons. Enfin, vivre quoi, c'est l'essentiel. C'est vraiment un échange de partage. Et à ta place, à ma place, il faut vraiment que toi, tu te sentes à ma place en tant qu'élève. Tu te mets à la place du professeur. Comment tu donnerais le cours et ainsi de suite, tout simplement. J'ai adoré le numéro du chorégraphe là, tout seul là, sur un air un peu chaloupé. J'ai trouvé ça formidable. Alors en fait, le spectacle, c'est le résultat d'un an de travail. Donc c'est des jeunes qui participent aux ateliers mis en place par le CAPJ. Et le résultat, il est super performant, quoi. On arrive à un niveau très élevé. Alors la ville, elle soutient ce type de projet parce que ça donne une autre image de la ville, ça fait aussi donner de l'ambition aux jeunes. Ils veulent danser, chanter, du théâtre, ça peut donner des orientations professionnelles. C'est le but aussi de la mairie de les aider dans ce sens-là. Ce que vous m'avez donné, là, c'est de l'émotion. Et l'émotion, c'est plus fort que tout. Parce qu'on peut être content des fois, mais là, c'est de la vibration que j'ai. Et je tenais vraiment à vous remercier. Puis vous savez, parfois dans nos quartiers, et moi j'en suis, on n'entend pas souvent des « je t'aime ». Ben moi je vous aime. Oh oh. Aujourd'hui, ça a été une journée spéciale. Ça a été la journée où on a annoncé que la région Île-de-France venait s'installer à Saint-Ouen. Donc pour moi, c'était déjà une journée exceptionnelle. Mais par rapport à la soirée, c'était rien. Parce que là, j'ai eu une émotion et une vibration qui ont été pour moi intenses. C'est-à-dire de voir ces jeunes de nos quartiers s'éclater, prendre du plaisir, donner du plaisir. La réalité, elle était là ce soir. C'est que Saint-Ouen, ça va bien, les jeunes vont bien et ils veulent vivre, ils veulent s'éclater.